Bah, c'est mes premiers pas en tout cas sur, sur piste, donc voilà, c'est un vrai plaisir, une vraie découverte et un vrai régal. Après j'avais eu la chance de faire aussi quelques tours de piste avec le trophée Andros où je m'étais bien amusé, mais sur glace et sur route c'est quand même très différent. Sur cette 208, c'est vrai que j'ai eu des sensations assez géniales parce que c'est pas forcément une voiture facile à piloter. Donc quand il y a des gros freinages, on sent un peu l'arrière qui part et tout. Donc elle est joueuse et c'est vraiment génial de pouvoir la conduire. Après, en plus, le circuit est difficile et très technique, donc c'est un vrai régal d'essayer de progresser de tour en tour. C'est vrai que j'ai été invité pour m'amuser, donc ça c'est bon, le check il a été rapidement rempli, mais voilà, on est compétiteurs, on est dans l'âme et c'est vrai qu'on regarde vite les chronos. Maintenant, il faut encore que je progresse parce que je ne suis pas encore dans la race. Tous les sportifs de haut niveau, on a cet esprit de compétition qui est ancré en nous. Donc voilà, dès qu'on commence à faire quelque chose, on a envie de bien le faire, on a envie de se comparer aux autres, on a aussi envie de les battre. Donc voilà, là je suis un peu frustré parce que j'en bats pas beaucoup, mais le but ça va être d'en battre de plus en plus le long du week-end. Les pilotes savent que pour l'instant on va pas les titiller, donc ils nous donnent plein de conseils, et j'espère qu'un jour ils seront moins cool avec nous, ça voudra dire qu'on sera dans leur roue.